par ici, les méchants. Il va nous rattraper. Arrêtez, plus un geste. Police, plus un geste. On avance lentement, espèce d'abruti. Et que ça sonne. Votre travail. Où tu comptais aller comme ça? Toi, lève-toi. J'ai dit debout. Ouais, ouais, d'accord. Meniez-vous. Allez. Vache, ma mordue, ça fait mal. Avance. Saleté de glaise, ma mordue. Devenu fou, et puis c'est quoi ça? Je les reconnais pas, c'est ça? Attends, c'est bon, c'est bon, ouais, ouais, c'est bon, on va les mettre. Rex? Rex? Wow, wow! Et pourquoi nous on reste là, hein? Là où comme ça? Rex? Qu'est-ce qu'il y a? Pas que Rex ait honte de vous, enfin, commissaire. Non. Allons-y pour l'uniforme. Ah, au fait, le commissaire Fury a demandé à ce que vous vous rasiez la barbe. Ça va pas être possible. C'est comme ça, à prendre ou à laisser. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une bonne cause? Ouais. Inspecteur Pasquale Freda. Je suis le commissaire Terzani. T'as un coéquipier? Il s'appelle Rex. On est toujours ensemble. Commissariat de la Via Damietta. Et toi? Celui de la Via Nizza. Ah oui, je le connais. C'est bien vous qui enquêtez sur les vols à main armée, non? J'aurais bien voulu dire oui. Vous voulez parler de la bande des Trois? Ouais, c'est bien eux. Quand est-ce que vous les arrêtez? Ce sont des professionnels, précision, rapidité. Mais tôt ou tard, ils finiront par faire une erreur. C'est bon, inspecteur, vous pouvez y aller. Très bien. Terzani, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Faudra qu'on se prenne un petit café un de ces jours. Salut, Rex. Oui, j'ai compris, Rex. Allez, un peu de patience, le supplice est presque fini. Vous êtes prêts? Allez-y, regardez-moi. C'est un braquage, messieurs dames. Si vous faites ce qu'on vous dit, il vous arrivera rien. D'accord? Rex, vas-y, tu peux le manger, il est très bon. C'est quoi? C'est un os. Ah, c'est un os à mâcher, il est à base de peau de buffle. Un véritable délice. Ah, bah dans ce cas-là, c'est de la gastronomie. Rex l'a bien mérité. Ça remplacera jamais un bon croissant à la crème. Voilà, c'est ça, restez tranquille. Ça y est, je le vois. Oui, je le vois, il est là. Ouais, de l'autre côté, je le vois. Rex, je ne peux plus arrêter. Continuez à le suivre. Tu vois ce qui se passe là-bas? C'est un braquage. C'est bon, je vais m'en occuper. Montez, prends le volant. Prends le volant, montez. Montez sur l'accélérateur.
Sortez de là. Sors de cette voiture. Sortez de là tout de suite. Hey, montre-moi tes mains. Tourne-toi. Les mains derrière la nuque. Enlève-moi cette cagoule. Allez. Tiens, regardez qui est là. Tonino Carlozzo, ça faisait un bail qu'on s'était pas vu. Baisse-toi. Et enlève les mains. Monte tes pas suivi les menottes. Vous pouvez passer le fric. Fais le chef, hein, tout prix. On l'a pas avec nous. Et c'est qui ton chef? Personne ne le sait. Allez, tu nous diras une fois au commissariat. Quelqu'un qui tire de sang-froid, un tireur infaillible. Un homme qui arrive à se contrôler. Killa, essaie de nous faire confiance. Il faut que tu fasses ce que Carlo te demande. Tu n'auras qu'à suivre mes indications. Et je te promets qu'il rentrera sain et sauf. Parole d'honneur. J'ai fait exprès de te rater, tu le sais. J'aurais pu te dégommer. Fous le camp et laisse-moi tranquille.
Est-ce que tu l'as vu? Tu crois que quelqu'un m'aurait aidé après son accident? Les fonctionnaires, les collègues, ils m'ont laissé tout seul. Ils m'ont abandonné comme un chien. 15 ans de service et moi, je suis récompensé avec des médailles. Et des calendriers, ça te paraît normal ça? Réponds-moi! Non. Ah, c'est comme ça qu'on traite un fidèle serviteur dévoué à l'État, hein? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fous? T'es un malade. J'aimerais voir si tu peux tuer un collègue de sang-froid. On n'est plus collègue. Pose ton arme. Si tu me tues, tu tues un policier, Freda. Tu finiras le restant de tes jours en prison. Je crois que t'as pas compris à quel point j'en suis arrivé. Seule, ma petite chérie. On n'était pas loin, tu sais. Il manquait pas grand-chose. Peu importe, mais arrête ça, je te supplie, arrête ça. Au revoir, au revoir. T'en auras plus besoin. Pour une belle photo de famille. Allez. Tout le mérite était pour Rex. En toute objectivité, Papini n'est pas tout à fait un flic. C'est vrai, est-ce qu'il t'a donné l'autorisation pour apparaître sur la photo, monsieur le juge? Non. C'est bien ce que je pensais. Mais il m'a donné l'autorisation pour faire autre chose.